Bonjour à tous et bienvenue dans 60%, le podcast de la médiathèque de Holzheim qui met la lumière sur les petits livres qui en disent long. Aujourd'hui, on prend 60 secondes de votre temps pour vous parler de La coquetterie du malheur, écrit par Nata Minor et sorti aux éditions Grasset en 2009. Derrière cet étrange titre se cache l'histoire d'une femme qui, au détour des tombes et des monuments qu'elle croise lors de sa promenade dans un cimetière, se remémore sa vie d'antan, celle d'une petite fille russe expatriée qui tente de se faire une place dans sa nouvelle vie, loin de son pays natal. Au gré de ses souvenirs et de ses anecdotes, on découvre sa jeunesse parfois difficile, entourée d'un père, d'une mère et d'une grand-mère au caractère bien disparate. Et puis il y a cette autre femme qu'elle va croiser au détour d'un chemin et qui va, sans réellement le vouloir, la plonger encore un peu plus dans son passé, peut-être un peu trop d'ailleurs, au risque de ne plus vraiment prêter attention au temps présent. La coquetterie du malheur, c'est donc l'histoire du temps qui passe, et des souvenirs qui surgissent et ressurgissent sans cri égard. Un portrait tendre et intime, empreint d'une douce nostalgie. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de 60%. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour être sûr de ne pas manquer nos prochaines chroniques. À bientôt!